Parce que là, les olives, souvent, elles sont un petit peu salées. D'ailleurs, si tu as des olives trop salées, ce que tu peux faire, c'est les passer sous l'eau avant de les mettre dans ton robot. Bon, du poivre. Tu sais que c'est mon petit truc à moi, le poivre. J'en raffole. Qu'est-ce que j'oublie? Un filet de jus de citron. Hop. Alors moi, comme d'habitude, j'utilise ma main pour récupérer les petits pépins. Alors bien entendu, je me suis lavé les mains avant de commencer. Et alors aussi, un truc facile, si tu n'as pas de presse-agrumes, ce qui peut tout à fait arriver, tu te sers tout simplement d'une fourchette. Tu la plantes dans ton citron et hop, comme ça. Hop, j'ai une fourchette, ça tombe bien. Tu la plantes dans ton citron et en fait, ça va t'aider à extraire le jus de ton citron, tout simplement. Et voilà. Bon, moi, j'ajoute un peu de basilic parce que j'adore ça. Il ne me manque rien. J'ajouterai l'huile d'olive après, pendant que ça mixe. Alors, on me dit, je n'ai pas de poudre d'ail.